un délice. Je suis chez ma voisine nigériane. Donc ça, c'est ce qu'on appelle au Nigeria fried rice, une spécialité nigérienne. Maman, pour nous, les mamans d'enfants, pour l'occasion des anniversaires, si on n'a pas le temps, vous pouvez passer la commande chez ma voisine nigérienne. C'est pas le jollof rice, ça c'est le fried rice, un délice. Un délice. Non seulement c'est beau et c'est très bon, c'est délicieux. Les mamans d'enfants, là, pour fêter les anniversaires, quand on n'a pas le temps, là, tu passes seulement la commande, on te prépare le jollof rice. Je ne sais pas pourquoi je confonds toujours avec le jollof rice. Elle te prépare le fried rice, maman. Je me dis qu'elle a pris le temps pour découper tous les légumes. C'est délicieux. Un régal, vraiment. Un régal pour fêter l'anniversaire des enfants. Quand tu reçois du monde, ça change un peu du chef, ça change du c'est pas le riz cantonné, hein. À vue d'œil, tu as l'impression que c'est le riz cantonné, mais non, en effet, non. C'est pas le riz cantonné. Ils ont une façon très spéciale de faire ce fried rice. En tout cas, je veux me régaler pour ce soir. Si je pouvais manger plus de 150 grammes. C'est ma voisine nigériane, elle n'est pas loin de chez moi. Elle m'a dit qu'elle fait souvent ça pour les succommandes. Donc, elle m'a appelé qu'elle avait fait, que je vienne goûter. Et j'ai trouvé que c'était délicieux. Délicieux. Franchement, pour les mamans, moi, j'ai plus pensé aux mamans d'enfants. Quand on est occupé et que tu veux célébrer l'anniversaire de l'enfant, ça, les enfants, ils adorent. Ils adorent ça. Tu passes ta commande, Maman, tu vas manger tout ça là? Et mon fils, tu peux même pas. Jani a mis les mains sur la tête. Non, 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 je peux pas manger tout ça, maman. Donc, tu passes ta commande, tu viens récupérer, tu as juste à faire ton dressage. Au goût, c'est délicieux. Et vous voyez le temps qu'elle met pour faire ça. Déjà, couper les carottes aussi finement comme ça, comment dire, déjà, couper les légumes, carottes, je crois qu'elle fait ça avec le rognon. Ce que vous voyez noir là, je crois que c'est le rognon ou c'est le... En tout cas, c'est quelque chose dans le ventre du bœuf. Soit c'est le rognon, soit c'est le cœur, je ne sais pas, mais elle le coupe finement. Bon, je vais poster ça sur en direct. Je vais faire des photos. C'est franchement, qu'est-ce que j'aurais encore à me casser la tête si je vais faire l'anniversaire des enfants? Et pas seulement la commande, je viens porter. Et en plus, les enfants vont se régaler parce que c'est délicieux. Bon, c'était mon petit passage. I'm going.